Mesdames et mesdames, bonsoir. Oh, bon, voilà, chacal, voilà, la famille, ça me fait trop du bien de revenir ici. Déjà, vous avez remarqué un petit changement. Là, il fait un peu noir dans la chambre. Mais attendez, attendez, attendez. Attends. La touche finale, changement dans 3, 2, 1. Nouveauté dans la chambre, vous avez vu déjà un petit décor. Ouais, j'aurais voulu faire une vidéo où je vous montrais le décor, mais ça, ce n'est pas le but de notre vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet assez important dans cette société chelou en confinement. Alors, je suis soufflé à parler comme ça, putain. Je voulais parler au fait un peu de l'amour. Ne riez pas, je suis sérieux là, très sérieux. L'amour. Avant d'aller trop loin dans le sujet, je voulais qu'on définisse l'amour, vous et moi. Alors, l'amour, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Donc, si on comprend bien, l'amour, c'est pas s'entraider des personnes. T'es sérieux, toi? Maintenant, moi, ce qui me dérange le plus dans ce monde, je sais pas si vous connaissez ce genre de personnes. Le genre de personnes qui n'arrivent pas à être seules. Mais vous, là, quand vous êtes né, la première partie de votre corps qui est sortie, c'est vos fesses. Ouais, vous êtes né comme ça. Donc votre vie c'est la merde. Non mais ce genre de personnes, non mais sincèrement, dès le moment qu'ils sont seuls, ils paniquent. Ils vivent pas bien là, ils arrivent plus à rester. Putain, je suis seul. Mais est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de consolation, j'ai besoin de quelqu'un. Oh, calme-toi, calme-toi. La plupart du temps ces personnes là, quand ils sont seuls, ils ont tous la même idée en tête. Putain, là je suis célibataire là. Putain, je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, mais j'ai une idée. Et si je textais mon ex? Non! Ne faites jamais ça! Ne faites jamais ça! Moi, je vous comprends pas. Déjà, c'est quoi? T'arrives pas à te supporter toi-même pour rester avec toi-même? Dans la vie, chacun est tantine, il faut se kiffer. Il faut que tu te dises, non, moi déjà là, je suis bad. Donc, j'ai besoin de personne. Je peux rester tout seul dans ma chambre. Je me fais rire de ouf. Chacun, t'es drôle. Voilà, donc vous tous là, déjà, fuck. Donc déjà que vous-même vous vous supportez pas, vous voulez que quelqu'un d'autre maintenant vienne vous supporter à votre place. Mais ça c'est une maladie mentale, c'est bête. Où est la logique? Où est la logique? Des fois je pense vraiment dans la vie c'est bien d'être seul. Quand t'es célibataire. Oh putain, je dois faire mes cheveux. J'ai le temps. Putain, je dois aller m'entraîner. J'ai le temps, dit. Quand t'es en couple. Putain, je dois faire mes cheveux. Putain, elle m'a pas texte, elle, depuis le matin. Putain, je pense que j'ai grossi. Putain, j'ai la dalle. Putain, j'ai oublié la tête. Putain, depuis qu'elle est dans ma vie, je réfléchis pas bien, là. Réfléchissez un peu, t'as tous les temps pour réfléchir à toi. Tu prends soin de toi, t'as pas de drama, t'as pas de tralala, t'es bien. Des fois tu peux dormir toute la journée sans stress. T'as le temps d'écrire des poèmes, t'as... Bon, j'avoue que personne fait ça. Mais t'as le temps pour toi. Mais bien sûr, il y a des inconvénients aussi à être seul. Déjà pour un gars. Nous les gars, on est fragiles, on est faibles, on a besoin... Ah ouais, je rigole, ça c'est les femmes ça. Bref. Avec elle, ça nous va. Nous les gars, bon non, c'est un kiff. Oh, attendez, j'ai trouvé un inconvénient pour les gars. Les gars, il y a un inconvénient. Tu auras un bras musclé, l'autre non. Donc si t'es gaucher, ton bras gauche sera musclé. Mais demandez pas pourquoi. Les gars, on s'est connus. Ah bah oui, c'est un fait, chacal. Puis pour une femme aussi, je pense que c'est... Bah, non, c'est pas la même affaire, à moins qu'elle est chelou. Mais pour une femme, il y a des inconvénients, tu vois. Les femmes... Elles ont besoin de réconfort, tu vois. Donc, je comprends des fois les filles qui ont besoin d'être tout le temps attachées. Parce que ça, moi, je pense que c'est un peu du manque de confiance en soi. Pourtant, ça, c'est la solitude. Bref, tout ça pour dire, ok, les personnes qui n'arrivent pas à être seules pendant une seconde. Pour moi, je prends ça pour un manque de confiance en soi. Donc, prenez ce temps de solitude. Allez réfléchir sur vous-même. Réfléchissez, dites, bon, chacun, là, je suis tout seul.
Pourquoi mon corps il tremblait comme ça? Non, là ça veut dire tu dois aller lire des livres, tu dois aller développer ta conscience un peu. Parce que non, là on en a marre. On en a marre de casser avec une fille aujourd'hui, puis demain elle est déjà en couple là-bas. Non, non, non. Arrêtez vos délires là, hein. En tout cas, sachez que mesdames et mesdames, en tant que mec, moi je pense que les gars qui arrivent pas à être seuls, bof, un gars peut avoir un cœur dur, tu vois. Mais les filles, vous allez vous mettre précipitamment avec un mec qui s'en bat les couilles de vous. Non. Prenez du temps pour vous, réfléchissez, grandissez, voilà. Voilà, on se kiffe, c'est bien. Nous faites pas chier là. En tout cas, Tantine Chaka, ça c'était une vidéo vite fait, rapido, presto. J'espère que vous avez kiffé. Parce que moi, j'ai kiffé des ouf. Ah, déjà là, il y a un nouveau décor et tout, tu comprends. N'oubliez pas de vous laver les mains. Matin et soir, en direction de la Mecque. Moi, j'ai tellement lavé mes mains. Regardez, j'ai la peau. J'ai ma peau qui s'enlève ici, là. C'est chelou. Ah ouais, Chaka, on frotte des ouf. Tellement j'ai lavé mes mains qu'on dirait j'ai lavé mes péchés. Oh my god. Bref, Chaka les tantines, je vous kiffe, on se retrouve bientôt. Moi, prenez soin de vous. Voilà. Si t'as pas aimé la vidéo, dis voilà. Yes sir, nous sommes sur le départ. Bon, je sais pas à quoi je ressemble parce que je peux pas voir ma caméra. Bref, sachez que nous sommes sur un départ. On s'en va à Malawa, Mashawa. On va où? Oshawa. Oshawa. On va à Oshawa. Un nom chelou déjà. Tu vois, tout ça à cause d'elle là. Donc on va récupérer ses affaires. Elle nous fait déplacer comme ça. Donc on va profiter hein, pour faire un confinement sur le chemin. Parce que c'est 5 heures de route. 5 heures de route. Hein, on dit quoi? Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Ah, voilà. Bon voilà. On se capte bientôt comme dit cop. On se capte la merveille. Capte la merveille, voilà. Elle m'a la bioche de pine de mort, de chiche. Ah ouais, attendez, y a lui là-bas aussi là. Ah, t'es un poulet, le conducteur. Il y a le conducteur aussi, babad. Voilà, c'est le conducteur. Alors, ouais, nous sommes arrivés à Oshawa après 10 heures de route. Pas Ottawa, mais bien, on est bien Oshawa. C'est la version cheap d'Ottawa. Ah non, il y a des gens chelous qui mangent dans la Ritors, ni au calme. Rien à foutre. On s'en bat les couilles de ouf. On s'en bat les. Nous sommes sur la rue Simkoué. Quoi? Simko, ma bad. Nous y sommes. Where is the chamber? Where is the room? 5 minutes later. Regardez, à la base, j'étais venue m'aider pour que je déménage, que je prenne mes affaires, ok? Regardez, je fais tout moi-même, je suis là, tranquille. Regardez ces deux-là. C'est pas possible. Surtout lui, là. Il n'a même pas conduit. C'est pas possible. Franchement, je suis à la recherche de nouveaux frères. Si vous avez des suggestions, hit me up, man, because this ain't it.